Bonjour les petits loups, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tout simplement préparer des yum yum. J'ai ouvert le paquet, dans le paquet contenait les nouilles et la sauce pour les nouilles. On se retrouve avec l'eau. C'est parti, nous allons d'abord allumer le chauffe. Une fois que le gaz est allumé, on va introduire 450 ml d'eau. Après avoir introduit l'eau, on va attendre que ça bouillisse. Une fois l'eau arrivée à l'ébullition, il suffit d'introduire les pâtes. Une fois les pâtes mises, nous allons prendre une baguette chinoise. Nous allons tout simplement bouger les pâtes. Comme ceci. Comme ça, les pâtes seront beaucoup plus moues et appétissantes. On voit bien que l'eau est arrivée à l'ébullition. Du coup, c'est parfait. Voilà, pour que ça se casse plus rapidement. Et au niveau de la douceur, ben, ils seront beaucoup mieux. Donc on va attendre. Et on se retrouve. Une fois les pâtes bien chaudes comme ceci, il suffit d'introduire la sauce curry. Donc on va faire comme ça, tout descend en bas. On va prendre le couteau et on va... Le ciseau, pardon. Et on va l'ouvrir. C'est tombé à terre. Ce n'est pas grave. On va le ramasser. Hop. Allez, on va introduire la belle sauce. La belle sauce. D'abord, on va éteindre le feu. On va introduire la sauce. C'est encore tombé. Ce n'est pas très grave. On va la récupérer. On va faire tomber la sauce qui est dedans. Une fois la sauce mise, qui est d'ailleurs très bonne, on va un peu mélanger. Vous allez voir que les pâtes vont devenir un peu jaunes. Voilà, une petite eau jaune. Et une fois que c'est comme ceci, on va tout simplement rajouter des assaisonnements. Du coup, c'est parti, on se retrouve. Nous revoilà avec nos assaisonnements qui sont du persil, de l'ail et du sel. Du coup, c'est parti, nous allons mettre un peu d'ail. Voilà, un peu de sel et beaucoup de persil. Voilà. Une fois préparé, on va encore remuer un peu. Comme ceci. C'est beau, c'est joli. Voilà, une fois le remuer, on va se retrouver avec, on va jeter l'eau, tout ça, on se retrouve. Donc voilà, du coup nous avons des pâtes et l'eau, on va introduire tout ça. On va d'abord ramener le bol. Nous avons ramené le bol. On va mettre un peu d'eau dans le bol. Un peu de sauce. Parce que j'aime bien quand il y en a juste un peu. Je trouve que ça donne pas mal de goût. Du coup, c'est ce que nous allons faire. On va en mettre un peu. Et le reste, on va le mettre ici. Ce n'est pas grave.
Hop. Mais une fois fait comme ça, nous allons prendre ceci, faire ça. Une fois fait ça, nous allons faire ça. Hop. Nous avons nos pâtes. Ce n'est pas encore fini, bien sûr. Hop. Nous retrouvons donc. Nous allons rajouter un peu de persil. Hop, mélangeons. Et les pâtes sont toutes prêtes, bien chaudes à déguster. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et au revoir YouTube.